Bonjour à toi qui me regarde, c'est le pasteur stagiaire Darius Okambora. J'ai l'honneur et le privilège de pouvoir vous partager un conseil de sagesse et d'excellence. Alléluia. Et mon conseil aujourd'hui, ça va être « Prends l'habitude de déclarer la parole de Dieu ». Vous savez, ce que nous disons est le reflet de nos pensées. Et nos pensées vont diriger nos vies. Parce que nos pensées vont ensuite influer sur nos paroles et nos paroles dirigeront nos vies. Donc, la Bible va nous dire que tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Ce qui veut dire que ce que tu vas penser va influencer tes paroles et tes paroles vont influencer également tes actions. Et au final, tes actions vont influencer la qualité de ta vie et la qualité de tes influences même futures. Alléluia. Et j'aimerais nous lire un passage d'un exemple des choses que nous devrions déclarer tous les jours de notre vie. C'est le psaume 23, vous connaissez, du verset 4 au verset 5. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Voici une déclaration que David, le roi David, déclarait. Voyez-vous, le livre de psaumes est rempli de déclarations. Ce n'est pas des prières forcément où il est tout le temps en train de demander des choses au Seigneur, mais il y a des choses qu'il déclare lui-même. Il dit que quand il passe dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint aucun mal. C'est une décision de ne pas avoir peur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui pourraient le pousser à avoir peur, mais il décide de ne pas craindre. Il décide de parler ce qu'il veut avoir. Alléluia. Il décide de parler ce qu'il veut vivre. Il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Autrement dit, la houlette et le bâton étaient utilisés à l'époque pour par des bergers du moins, pour diriger les brebis. La houlette, c'est le côté qui est un peu incurvé en fait, du bâton, pour diriger, pour attraper le cou de la brebis et la diriger dans un sens lorsqu'elle va dans le mauvais sens. Alléluia. Et le bâton était là pour corriger la trajectoire également en donnant des petits à-coups. En fait, il était en train de dire, les choses que tu utilises, Seigneur, ce que tu fais pour me corriger, ce que tu fais pour me reprendre, en fait, c'est ce qui me rassure. Mais c'est une mentalité, c'est une décision qu'il a prise. Alléluia. Et nous devons comprendre que lorsque nous déclarons la parole de Dieu, elle va influencer notre façon de penser et nous allons voir la parole de Dieu de la bonne façon. Beaucoup de personnes se disent que la parole de Dieu, des fois, elle est difficile à suivre parce que Dieu nous demande des choses qui ne sont pas faciles. Mais lorsque nous avons changé notre mentalité et que nous avons pris l'habitude de déclarer la parole de Dieu, nous allons ensuite comprendre la profondeur de ces choses, ce qui va changer notre façon de penser, où nous allons voir que la houlette et le bâton, en fait, sont là pour nous permettre d'avoir une meilleure vie et c'est ça qui nous rassure. Et parce que nous allons comprendre que ça nous rassure, ça va influer sur nos paroles parce que ça va devenir d'abord nos pensées, notre mentalité qui va influer sur nos paroles, qui va ensuite influencer nos actions. Alléluia, ce qui va diriger nos vies. Alléluia, j'espère que j'ai été clair. C'était le conseil de sagesse et d'excellence. Choisis de proclamer la parole de Dieu, tu vas changer toute ta vie.